Pourquoi mon ex est égoïste depuis la rupture? Alors c'est un sujet que j'ai décidé de traiter dans cette vidéo parce que c'est une question à laquelle je dois répondre constamment pendant mes coachings. Et c'est une question qui, moi, m'éclate, c'est le cas de le dire, parce que je trouve la réponse tellement évidente, tellement logique, et pourtant elle est tellement compliquée pour toi à comprendre, à percevoir. Et comme je vois que c'est quand même, ça bouscule un peu dans mes coachings hein, quand j'explique le pourquoi du comment, mais que ça fait du bien au final parce que ça permet de mieux comprendre les choses, bah, je me suis dit que forcément, je ne pouvais pas ne pas faire cette vidéo pour t'aider, toi qui es normalement en train de me suivre sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne qui est là pour te donner une multitude de conseils sur tes problématiques sentimentales, là en l'occurrence sur ta reconquête amoureuse, comprendre des choses, décrypter des situations que tu n'arrives pas à analyser et te donner finalement des astuces aussi, des coups de pouce pour débloquer ta situation. Alors pourquoi ton ex est si égoïste depuis que vous avez rompu? Eh bien tout simplement parce qu'il y a pas mal de paramètres que tu as dû quand même occulter. Je vais te donner un exemple très simple, ce que j'entends souvent dans mes coachings, ça va sans doute te parler, c'est que, bah voilà, alors que je souffre terriblement, il faut voir comme je douille, hein, Christelle, je dors pas la nuit, je mange plus, enfin je veux dire, c'est juste inadmissible hein, d'avoir pu me faire vivre une situation pareille, mon ex n'en a rien à fiche. Enfin, elle me ménage pas ou il me ménage pas, il ou elle est en train de faire sa vie, bref, vraiment, je suis seule au fond du seau. Sauf qu'à un moment donné, il faut bien comprendre que ton ex, dans la décision de rompre, n'était pas parti dans l'optique de te ménager. Quand tu décides de rompre avec quelqu'un, t'es pas dans l'optique de faire attention à lui ou à elle, ou à penser à ses réactions. La décision de rompre va amener un mécanisme qui est obligatoirement égoïste. On l'a aussi pour les couples avec des enfants, avec le même type de réflexion. Mais je comprends pas. Depuis qu'elle est partie, même avec les enfants, je la sens distante. Elle les appelle moins, ou en tout cas, elle s'en occupe moins à la maison pour ceux qui vivent ensemble. Bref, on va me rapporter toujours des comportements qui vont être plus ou moins égoïstes, mais en tout cas des comportements qui te paraissent choquants. Sauf que c'est logique. Une personne qui décide de rompre, bah finalement, c'est pas poser des questions sur comment après elle allait devoir te ménager. Aujourd'hui, c'est une personne qui a décidé de rompre parce qu'il y a des choses qui ne lui allaient pas. Donc c'est une personne qui, dans la logique, va vouloir d'abord se recentrer sur elle, obligatoirement. Une personne qui, à un moment donné, décide d'aller de l'avant et donc de rompre, c'est une personne qui va obligatoirement devoir mettre un peu des œillères. Si c'est se séparer pour aller porter le mal de tout le monde, même de ses enfants, je ne donne pas raison après Alex d'être égoïste, mais je dis juste que c'est explicable et que c'est une logique en fait dans le procédé, dans le processus de rupture. Et on ne peut pas ne pas comprendre que la logique, c'est que pour l'instant, cette personne va vouloir se recentrer sur elle. Cette personne va vouloir faire peut-être un petit peu occulter, j'ai envie de dire, du coup, la situation actuelle, ce que toi, tu peux ressentir, ce que tu décides aussi de mettre en place, parce que, bah, tout simplement, c'est pas sa priorité. Alors, ça paraît égoïste, et c'est sans doute égoïste, c'est vrai aussi, mais d'un autre côté, c'est légitime, c'est explicable. Et puis, il y a un autre point qu'il faut quand même pas oublier. Une personne souvent qui décide de rompre, c'est une personne qui souffrait depuis déjà un moment, pour beaucoup, beaucoup de cas. C'est-à-dire que cette personne estime aujourd'hui être dans une situation où elle n'a pas apporté la croix des autres. Elle n'a pas apporté ta croix, en l'occurrence, à s'excuser de ce qui est en train de se passer. Parce qu'après tout, si on en est là, c'est de ta faute. Après tout, s'il y a cette rupture aujourd'hui, c'est parce que justement, pendant longtemps, peut-être qu'il ou elle avait sonné la sonnette d'alarme, peut-être qu'il ou elle t'avait déjà dit qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et que t'as jamais rectifié le tir. Et donc, c'est un peu facile aujourd'hui de te rendre compte qu'il est en pleine souffrance alors que lui ou elle est passé par des moments bien avant toi de grande solitude, en fait, d'une certaine façon. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut comprendre que après une rupture, un ex n'est pas en position finalement de se soucier de comment tu vis les choses ou de se dire bon ben je vais pas aller à outrance à la salle de sport ou je vais pas aller refaire ma garde-robe parce que mon ex risque d'imaginer que je vais me faire beau ou belle pour quelqu'un d'autre ou que j'achète des habits parce que je suis dans l'optique de me rencontrer quelqu'un d'autre. Très honnêtement, ton ex ne pense même pas à ça à ce moment-là, pense juste à se faire du bien, à se faire plaisir et il est ou elle est très très loin de chercher à faire, à avoir une forme d'empathie, j'ai envie de dire, vis-à-vis de toi, pour savoir ce que tu vas ressentir derrière, quoi. Alors, pour autant, si ça peut un petit peu te remonter le moral, je ne suis pas en train de dire que c'est normal d'avoir ce type de réaction.
que c'est normal que tu souffres. C'est pas ce que je dis. Mais je pense qu'il faut pouvoir relativiser cette situation, la dédramatiser, en comprenant que c'est pas fait contre toi, c'est pas une ex ou un ex qui se fiche complètement de ton mal-être, c'est juste un ex qui est centré sur lui ou sur elle pour le moment. Toi, si tu commences à imaginer qu'en fait, finalement ton ex, si demain, pardon d'expression, mais tu passes sous un camion, n'en aurait rien à fiche, bah tu vas forcément encore plus te rendre malheureux ou malheureuse, tu risques de perdre encore plus de ton objectivité, et tout le monde sait que dans une reconquête amoureuse, t'as intérêt à garder quand même de l'énergie. Il y a un autre point aussi que j'aimerais soulever. Très souvent, là où toi, tu vas interpréter que ton ex s'en fiche et que c'est pour ça qu'il ne donne pas de nouvelles ou n'en prend pas, ou que, par exemple, vous avez des enfants en commun, il va te déposer les enfants tel un sac de course, tu vois, devant la porte et repartir aussi sec, c'est parce que ça lui est complètement égal. Ça peut être aussi des personnes qui ne sont pas si à l'aise avec la situation, n'ont justement pas envie de ressentir ton mal-être, se culpabiliser de la situation et qui, du coup, vont faire volontairement cette politique de l'autruche, vont volontairement avoir ces comportements un peu d'autiste, si je puis me permettre, pour essayer de faire en sorte de se protéger, quoi. Parce qu'ils sont dans une mouvance aujourd'hui qui leur permet pas, qui leur donne pas envie, ou parce qu'ils n'ont pas tout simplement l'énergie non plus, prendre du recul sur ce que toi, éventuellement, tu es peut-être en train de traverser aujourd'hui. Comprends que quoi que t'en penses, il n'y a aucune rupture qui est décidée le matin et qui est faite le soir. C'est pas possible. Elle a toujours été réfléchie. Peut-être que ton ex t'en a pas parlé plus tôt, pas avant, ok, mais ça a toujours été réfléchi. Donc aujourd'hui, dis-toi que peut-être que ton ex te donne cette sensation de se fiche complètement de ce que tu ressens, mais t'inquiète que c'est comme quelque chose auquel il ou elle avait dû penser au préalable, quand justement peut-être il avait sonné des sonnettes d'alarme, quand justement ton ex était venu vers toi en te mettant quand même sous le nez des choses qui n'allaient pas dans la relation. Bref, dis-toi que dans ces périodes-là où toi peut-être justement t'étais pas du tout en phase et que tu te rendais pas compte justement de sa souffrance, et ben lui ou elle était déjà en train de souffrir, était déjà dans quelque chose de compliqué et était déjà en train d'envisager ce qui allait se passer si jamais il y avait une séparation et vouloir persister peut-être. Persévérer dans votre relation alors que c'était quelqu'un qui était déjà un petit peu malheureux ou malheureuse ou qui avait déjà des reproches à te faire, mais qui allait persévérer justement parce que l'envie de te quitter n'était pas encore suffisamment forte ou la peur justement des conséquences de la tristesse occasionnée, même le ou la concernant, bah, risquait finalement d'être trop compliqué à entrevoir et l'obliger ou en tout cas lui donner la motivation à encore tenir bon dans une situation qui finalement n'était pas super épanouissante. Ce que je veux donc te dire, c'est qu'il y a fort à parier que vous n'êtes juste pas aligné en fait. La souffrance que tu as toi aujourd'hui, il y a fort à parier que dans le passé, ton ex s'est quand même ressenti d'une certaine façon. Et on peut comprendre qu'aujourd'hui, comme c'est toi qui as été quitté, bah, tu es convaincu que tout le monde doit être centré sur toi, sur ta douleur. Mais il va falloir aussi comprendre qu'aujourd'hui, ton ex, lui ou elle, a décidé d'aller de l'avant. Donc, ce n'est pas pour aller se rajouter une croix sur les épaules. Un ex, parfois, peut paraître très égoïste, mais parce qu'il le fait aussi un petit peu exprès. Une personne en fait qui est dans le contrôle, qui fait exprès de ne pas ouvrir les vannes, qui fait exprès de fermer des portes pour empêcher justement des tentatives de ta part, pour empêcher peut-être que tu espères de trop aussi et pour justement acter davantage aussi la rupture. C'est pour ça qu'il faut faire aussi attention. C'est pour ça que parfois c'est dans les débuts que finalement le comportement est assez égoïste et qu'on va se rendre compte par expérience qu'au fil du temps, le comportement va quand même peut-être s'adoucir. En fait, ben, c'est une autre façon aussi d'acter la rupture, de se centrer sur soi. C'est une façon aussi de dire à l'autre, tu n'auras pas de chantage affectif possible, tu ne pourras pas me faire de peine, tu ne pourras pas me travailler au corps, tu ne pourras pas me travailler sur les émotions ou même ne serait-ce que sur la vie de famille, entre guillemets, que je brise, si vous avez des enfants en commun, sur ce que les enfants peuvent ressentir. Voilà, je ne te donnerai pas cette possibilité, tu vois, d'exercer une pression là-dessus, d'avoir donc un chantage affectif me concernant. Et c'est pour ça que je ferme toutes les portes dès que j'ai ce comportement qui paraît très froid, très égoïste. Mais en fait, c'est très souvent, par expérience, des comportements aussi volontaires. C'est-à-dire, dans le fond, ton ex a quand même conscience de beaucoup de choses, notamment de ce que tu es en train d'endurer, mais va pas trop vouloir mettre la lumière dessus, te le montrer, parce qu'il y a une peur derrière que tu en profites et que tu exerces une forme de manipulation par rapport à ça. Et du coup, pour couper court, et ben, c'est quelqu'un qui préférera avoir le rôle de la personne très égoïste, voilà, qui coupe court à tout, que de la personne trop empathique qui risque de se mettre finalement dans une situation porte-à-faux qu'elle n'a pas du tout envie de vivre aujourd'hui. En résumé, pour te dire que ce qui est en train de se passer aujourd'hui ne doit pas te donner de pistes sur les possibilités que tu as ou pas sur ta reconquête amoureuse. Ça n'a rien à voir. C'est quelque chose de vraiment
normal, ça arrive très couramment d'avoir ce type de comportement après une séparation. Donc ça enlève en rien si tu as envie d'essayer quelque chose, que tu sois concentré sur ton objectif et que tu te recentres sur ce que tu dois mettre en place. Ne te mets pas de stress supplémentaire, c'est déjà suffisamment difficile ce que tu traverses aujourd'hui. Concentre-toi plutôt sur ce que tu vas devoir travailler justement pour redonner l'envie à ton ex de peut-être revenir vers toi, mais ne te prends pas la tête sur le type de comportement qu'il ou elle peut avoir, parce qu'en fait, il est complètement normal. Allez, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, tu penses au petit like d'encouragement, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour bénéficier d'autres conseils qui pourront franchement t'aider, t'épauler pendant ce marathon qui est une reconquête amoureuse. Je te rappelle que je te laisse aussi dans la description de cette vidéo un lien qui te permet d'avoir accès à une évaluation gratuite à laquelle je réponds toujours et de manière vraiment personnalisée en fonction de ce que tu vas m'écrire dedans pour te donner les premiers conseils que tu peux appliquer d'ores et déjà dans ta situation.